La rumeur est lancée. Ah bah dis donc. Bon bah, je vous propose comme d'hab, hein, au cas où. C'est la risque, me dit tout le temps. Oui. Y'a rien dedans. Ouais, ils sont plus. J'ai l'impression qu'en normal mode, c'est comme si c'était un 4v4. Et eux ils commencent à l'autre bout de la map, de l'autre côté. Y'a. Yeah. C'est vous ? Ok. Bah sur l'autre map, moi j'en ai fait une tout à l'heure et pour le coup ça s'est donné un peu de partout. Hein. Y'a pas de. On va tâter l'autre map après, hein, pour voir. Y'a pas de notion de planque ici, effectivement, les gars. Mais putain. Est-ce que vous avez dû la débloquer là? On peut rien crafter? Yep, je. Dans mes souvenirs, on pouvait crafter, non? Wozy! Dévare-moi le T2. Merci, BG. Pensez au Patreon, la team T2, T3 les gars. L'avantage du Patreon, c'est que quand vous payez un T2, un T3, on touche quasiment un T2, un T3. Sur Twitch... Non. La game était clairement pas aussi vide lors de la dernière phase. Il y avait beaucoup plus de joueurs même en normal. C'est très étrange. Je me rends pas compte, est-ce que ouais, ça leur a pas vraiment porté préjudice le coup de Delta en même temps que ça là? Je sais pas. On verra quand on ira dans l'autre mode, mais là je trouve ça un peu éclaté, tu vois, c'est trop mou. Thank you.
retourne côté de l'hôtel, je suppose. Parce que c'est que là-bas qu'on a croisé du monde pour l'instant, donc. Fini le testage, j'arrive. Vas-y, vas-y. Pense-y le prochain coup, Ozzy, là, dans cette voiture-là, t'as un coffre-fort. Ok. C'est souvent là-dedans qu'il y a des bangers. Pas à tous les coups, mais... Tu peux remplir des rigs et les stacker dans ton sac, j'ai l'impression, non? Je me souviens plus. Je pense qu'on avait une game sans joueur, à mon avis. Hein. Le problème, c'est que là, si on tente de tag après dans l'autre mode. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de joueurs qui soient arrivés niveau 12. Quoi. Bah, de toute façon, ouais, et puis vous en êtes là encore, vous deux. Hein. Niveau 8. Ouais, à mon avis, on a encore. C'est quoi, c'est un... Ah, ça dépend si vous faites des quêtes ou pas, mais c'est quoi, c'est un niveau par game? C'est encore bien 3 games à manger. Mais peut-être sur notre map en vrai, hein, par contre. Hein. Je te dis, notre map, moi, la game que j'ai faite, ça a tiré de partout un peu, donc. Ouais, le rendu audio, je comprends pas. Je me souviens que c'était comme ça, mais je comprends pas pourquoi ils ont laissé comme ça. T'as l'impression de jouer dans une baignoire en permanence.
pas de tag. Heureusement. On peut aller faire la ferme hein, du coup vu qu'on ça a l'air d'être chill. Vas-y. Je suis curieux de voir du coup quelle salle ouvre ou la clé quoi. Ouais. Même si bon c'est qu'on file en early donc je pense que ça ouvre pas des trucs zinzin mais... C'est surtout qu'on est dans le mode normal donc on va vraiment chatter pour avoir un truc incroyable. Mais du coup, comme pour Delta, je suppose que la clé, je commence à faire dans tous les modes, mais ça me prend plus d'utilisation dans les autres. J'ai pas souvenir de ça par contre. Mais. Ok. Info à vérifier. Ah bah ici le safe a été fait, il y a des IA morts. Donc il y avait des vrais joueurs dans cette game. Putain mais alors ça veut dire quoi, ils auraient spawn ici du coup? Parce que sinon on n'a pas entendu de tir, ça veut dire qu'ils les ont tués quand on était trop loin quoi. Ouais, je sais pas. Bon, la clé... Je suis mort, joueur sur moi. Ah putain. Elle a bien sauf. C'était quoi, t'étais sur la route, t'étais où? Ouais, je les vois, sud 195, de l'autre côté de la route. J'ai touché 3 fois, c'est incroyable qu'il court encore. Là il va se healer 100%, il a pris cher. Il a un pote en plein milieu de la route. Plein milieu de la route 240. Il y a un scope, je pense. De toute façon, ça met des pré-shots. Hein. Je le vois pas. Ouais. À l'ouverture, muret gauche, de hauteur 215. Ok. Il a fait le tour, il est pour toi. Je le tue pas encore avec tout ce que je lui mets, il part en courant. 41 mois, ça va vite. Sire, je suis votre éternel abonné. Il peut pas se fermer sa putain de gueule là à chaque fois. Je vais donner l'info au mec où je suis. Il en reste un. Ah.
C'est trop là, arrête ton ciné. Faut que je prenne des antidouleurs. Je pense que c'est ça le souci. Il en reste un, c'est sûr. Je l'entendais pendant que j'étais en PLS, je crois. Bon, s'ils étaient 3, on est bon. Eh bah, bien toi. C'est vrai qu'il n'y a pas un quatrième. Ils étaient 2, c'est sûr et certain. Bah, j'en suis 3, donc... Ah bah, il est une... Moi, il a une belle M4, hein, je pense. Hein. Les histoires. Ah oui, il y a du respect, effectivement.
Bon, je confirme qu'ils avaient un sacré stuff. Ah bah écoute. Le mec jouait déjà des balles, des putains de balles légendaires. Je rêve. Moi qui pensais que j'étais énervé. Eux c'est pire. Elik, Fada et Gourdanov. Merci pour les T1 et le Prime, les gars. Bon, c'était un peu moins la folie ici, FSKS. C'est le seul inconvénient du cash play, même s'ils sont pas très bons, ils peuvent avoir du stuff. Ouais. Après là, le stuff qu'ils avaient, c'est pas forcément un stuff acheté. Hein. Parce qu'encore une fois, on a commencé avec 1,5 million ou 2 millions, donc même moi je suis full stuff en soi. La première game, j'avais du full T6, c'était T5, T6, je sais plus exactement. Mais on commence avec un certain nombre de pognon, donc tu peux te permettre sur les deux premières games d'être très très gras. Après ouais, le modèle économique de pouvoir acheter avec du vrai argent, de l'argent in-game et te stuffer à toutes les games, ça c'est naze. Donc si vraiment c'est ça qu'ils ont choisi économiquement comme modèle Arena, moi je jouerais pas Arena, c'est sûr. À comment te casser le cul à faire des runs, tu vois. Le mec qui sort sa CB, enfin voilà. Y a un shooting range quelque part pour tester les armes? Ouais, quand tu choisis ton mode. Celui qui est tout à droite. Il avait surtout un qui était très gras dans les trois. M4 full mode. Oui, celui qui m'a tué, il m'a légèrement influencé dans le choix de mon prochain stuff. En tout cas, les trois, j'ai eu l'impression de les tuer de la même façon. J'ai l'impression qu'ils prennent tous headshot. J'ai l'impression qu'il tombe vite quoi.